Na kusalimu mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV popote pale ulipo, matumaini yangu makubwa ni kwamba uko mweru wa afya. Asante kwa kubaki na matukio yetu. Bila shaka nawakaribisha kuweza kufuata matukio yetu ya leo hii. Mimi niite Andrea Nlema, mtazamaji wa Nipe News TV, na moja kwa moja matukio yetu yataanzia katika mji wa Lubumbashi. Licha ya mazungumzo ya kuishi na amani kati ya Wakatanga na Wakasai mkoani huko Katanga, ila bado waendesha pikipiki maarufu kama wewa au motar katika lugha ya Kifaransa, ambao walio wengi ni Wakasai, waendelea kulalamikia hali ya ubaguzi wa ukabila ndani ya mkoa wa huko Katanga. Comme vous le voyez, il y a le fumé, il y a le feu des pneus à l'entrée du tunnel vers Bel Air. À côté de la station Total, les motards ont pu allumer le feu et ça allume là, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Vous pouvez constater ici, c'est la station Total. Vous voyez mes frères? Vous voyez? C'est ça le feu. Le feu. Les 9h passées de 16 minutes, comme vous le voyez, le feu motard. Le feu motard, c'est sans but. Ituri. Jeshi la taifa FARDC limeokoa raia takriban 7 kutoka mikononi mwa waasi wa ADF NALU, na hiyo ni baada ya mapambano makubwa tu yaliyofanyika tarafani Mambasa. 7 civils pris en otage par les ADF lors d'une tentative d'attaque déjouée par les forces armées à Loloa dans le territoire de Mambasa ont été libérés par le FARDC grâce à une opération menée dans la région. Ces ex-otages, parmi lesquels 4 enfants et 3 femmes, dont l'épouse du chef du village Kosa Kosa, félicitent l'armée pour cette énième prouesse. Avec l'intervention militaire, ils nous ont libérés avec 5 enfants. Mais mon mari est toujours en otage. Il demande de l'argent pour sa libération. Grâce aux militaires qui sont venus de Loloa, qui nous ont libérés, et nous disons merci au FARDC. Aux abois, suite à la pression subie de la part des forces armées, les ADF tentent désespérément de survivre. Les cas de cette tentative d'attaque de l'hôpital général de Loloa le dimanche 1er mai pour se ravitailler en médicaments afin de soigner leurs blessés, mais repoussés farouchement par le militaire. Abdallah Penimbaka, ancien gouverneur de l'Ituri, invite la population de cette région à continuer de collaborer avec les forces loyalistes et de ne pas céder aux rumeurs. Ne doit faire circuler que des renseignements. Leurs rumeurs doivent être mises hors de nos conversations. Il faut éviter des rumeurs. Il faut éviter de jouer le jeu de l'ennemi. Il faut éviter de fuir parce qu'on m'a dit non. Restons à l'écoute des différents communiquer de nos autorités pour que le moment venu, nous puissions nous comporter tel qu'ils nous les demandent. Notons que Loloa et ses environs demeurent sous contrôle de l'armée qui est à la poursuite de ces terroristes ADF et leurs supplétifs. Tukisalia mkoani hapo Ituri, ni kwamba gavana wa mkoa huo Luteni Luboya aitembelea tarafa la Aru ili kutazama namna hali ya usalama inavyoendelea maeneo hayo ya Aru. Le voyant Kachama Johnny a mission d'itinérance sécuritaire en territoire d'Aru, en passant par Djougou et Maagi. Engagé à restaurer l'autorité de l'État, le gouverneur militaire, accompagné de membres du comité provincial de sécurité, est arrivé à 2h à Ariwara. Ariwara, centre de négoce situé à 350 km de Bounia, en territoire d'Aru, sur son chemin à Katanga, tout comme à Djalasiga, où les forces armées ont restauré la paix. À cette période de l'état de siège, le patron de la province a salué le courage de la population. Par ailleurs, le commandant des opérations a promis un châtiment suprême aux forces négatives, aux terres de Tiwiri. Oui.
Le chef de la chefferie de Walendouati a félicité les forces armées d'avoir mis en déroute les miliciens Codeco, stabilisant ainsi la situation sécuritaire dans son entier. Je remercie son excellence. Et puis, les forces de sécurité, nous les commandons. À Ariouara, le gouverneur militaire de l'Ituri et sa suite prendront part à la rencontre interprovinciale avec les Haut-Ouélé autour du conflit de limite entre la chefferie de Kalukoumi en Ituri et le Gololi en territoire de Faradj. Le conflit avait causé la mort à 6 personnes, plus de 200 cases incendiées et un déplacement massif des habitants de Kalikoumi. Le gouverneur militaire de l'Ituri arrive à Ariouara pour la deuxième fois après son passage au mois de mars dernier. Sa précédente visite en territoire d'Arou lui avait permis de signer des accords en matière de coopération transfrontalière avec la province sud-soudanaise du Central Equatoria State et ses districts. Ugande. Tujelekeze Baraka, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba waganga wa mtaa wa afya wa Fizi wameweza kuandamana ili kuomba mganga mkuu wao ama MD, Medecin Directeur, aweze kuondolewa kwenye kazi yake. Tazama hapa namna gani waganga hao walivyoweza kuandamana. Na hatimaye tumalizie matukio yetu na huko Uvira mnamo jimbo tu ya Kivu ya Kusini, ni kwamba jeshi la taifa FRDC limeweza kusaka ngome za Maimai Kijangala mnamo bonde la mto Ruzizi, ambako vijiji vingi vilikuwa vikimilikiwa na Maimai yao Kijangala. Tazama hapa ziara yake kamanda mkuu generali de brigadier Fundi Ramazani alivyokwenda ili kusimamia mapambano hayo. Mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho wa matukio yetu. Asante kwa kujiunga nasi. Mimi ni Andrea Nlema ambaye nimekuletea matukio haya. Sina la ziada, ni bora kusubscribe na kusambaza matukio haya kwa wengine. Baki nasi, Nipe News TV ni kituo bora cha matangazo. Kwa heri na kwa wakati mwingine. Asante. La. Sabina saba kaka. Ndio. Kwanza hizo information umezitoa wapi? Nipe News imemaliza kila kitu baba. Kaka nimekuambia. Wanafunzi wote wanapata matukio kwenye Nipe News TV kaka. Hauna haja ya kwenda Vodacom au Airtel. Simu yako tu inamaliza kila kitu. Nipe News TV ni ya wajanja. Ukitaka kupata habari zote za nyumbani, kwa matokeo yote ya mitihani ya taifa, exam editor. Matokeo yote ya nyumbani. Habari za uhakika. Fuatilia Nipe News TV.